Donc, je voudrais remercier mon orthopédagogue quand j'étais à l'école primaire, Monique, que je me souviens encore de son nom malgré les années. Donc, merci. Principalement mes professeurs de Prédep. Ils m'ont aidé à tenir le coup durant toutes mes années au Pré-DEP, ainsi que mes profs aux prolongations aussi. Mes parents surtout. Ils ont cru en moi et m'ont aidé à tenir le coup vraiment tout le long. J'aurais eu trois personnes significatives, peut-être deux, trois personnes. Bon, premièrement, ma famille, qui a supporté mes aléas scolaires et où il y a eu beaucoup d'inquiétudes de la part de mes parents. Je veux remercier aussi l'animateur de la Maison des Jeunes que je fréquentais. C'est lui qui m'a tendu le premier livre, le premier article, ce qu'on appelle les liens sociaux, qui m'a donné goût à l'animation. Et aussi remercier mon psychologue que j'étais allé voir à l'époque, parce que j'étais en questionnement, parce que se chercher, ça prend du temps. C'est pas évident. Je dirais mon prof de CR qui était à Saint-Ex en secondaire 3, qui m'a beaucoup aidé aussi. J'aimerais en mentionner trois. Il y a eu Dominique Morin, Anaïs Richard et Geneviève Brissette, une intervenante du YMCA, du CGE et une policière. Parce que les trois ont vraiment été une bouée de sauvetage pour moi. C'est elles qui m'ont aidé et permis de continuer mon secondaire, de m'accrocher comme aux petites affaires positives qu'il y avait, notamment tous les jours. C'est vraiment ça. Merci ma marraine Francine pour m'avoir donné la motivation de me lever le matin, de me donner l'envie d'étudier puis l'envie de continuer, d'aller plus loin puis d'avoir ma carrière à moi.